trouve ça bien qu'il y ait des programmateurs qui donnent la chance aux artistes un peu émergents, quoi, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc nous, ouais, c'est une vraie opportunité, notamment d'ouvrir pour Aston Villa, qui est un groupe qu'on respecte beaucoup. Donc on trouve ça vraiment audacieux de la part des programmateurs et de la part de toute l'équipe du Festival de la Chanson d'Aix de programmer des jeunes artistes comme ça, en première partie d'autres artistes confirmés. Le principe aussi encore du festival, c'est, on dit souvent, c'est un tremplin pour les jeunes artistes. Et il y a eu notamment une jeune artiste qui a été repérée lors d'un coup de pouce qui s'est fait à la Phare les Oliviers, qui s'appelle Alix M, Oui, et que tu as rencontré. Et voilà. avec qui ce soir vous allez faire un morceau qui est sur ton album qui s'appelle S'il vous plaît. S'il vous plaît, ça ne sert à rien, n'insistons pas sérieux, c'est vrai, nous verrons cela demain. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait Monsieur Lune à la Cité du Livre, c'était un super moment, voilà, avec un très beau duo avec Alix M. Puisque c'est une journée découverte, avec cet après-midi à Koudou, une scène parrainée par Aston Villa, où nous aurons la joie d'accueillir Rascal Rhythm Reggae, Rémi Noué, qui est le gagnant du tremplin Milonga de l'année dernière, et Maison Rouge, qui sont avec nous aujourd'hui, et qui ont gagné le tremplin du Festival de la Chanson Française. Alors je pars doucement dans la neige. Liberté infiniment plus grande que ces deux traits qui vous font traîner dans la boue, dans la misère et le dégoût. Je suis peut-être un utopiste et alors. Et c'est une bonne opportunité, oui, on s'est rencontrés il y a 2 jours. Et d'un coup on gagne un tremplin et d'un coup tout s'ouvre à nous, donc c'est, oui, c'est une bonne opportunité. Ouais, j'adore le festival et c'est une bonne ambiance et on remercie vraiment tous les gens qui nous ont entourés, qui nous ont accueillis et qui nous ont vraiment mis à l'aise. Ils n'ont pas beaucoup tourné, ils ont fait très peu de dates, mais je pense qu'ils sont super contents parce que ça les aide à se roder un peu et puis de rencontrer des nouveaux publics. Ils ne sont pas habitués non plus à des contraintes techniques. Parce que nous, notre régisseur qui est René Fournier a une habitude forcément, puisque c'est son métier et qu'il travaille avec des artistes très confirmés, il a l'habitude de travailler dans des conditions très rigoureuses, d'imposer un certain rythme pour les balances, etc. Et donc des jeunes groupes comme ça, ça leur apprend aussi à travailler, à se mettre en condition. Comment ça s'est passé le fait que vous soyez à Koudou aujourd'hui ? Ça s'est passé en fait que ça fait partie du prix qu'on a gagné avec le tremplin à Milonga. D'accord. Voilà, ça fait partie d'un prix qu'on a gagné. Donc on l'a commencé sur Grenoble. Mmh. La finale se faisait à Marseille. Ouais. Et donc un an après, on se retrouve ici à Aix-en-Provence. Je
L'amour que j'entends pas, l'atmosphère se charge.